Bonjour Belzam. Donc nous continuons sur notre lancée au niveau des soins, donc des chakras principaux. Donc là nous en sommes au cinquième chakra, le chakra de la gorge. Donc il se situe soit à peu près au milieu de la gorge ici, ou un petit peu plus bas entre les deux clavicules. Mais c'est à peu près à cet endroit-là, voilà. Quand vous mettez votre main, de toute façon vous tombez dessus, il n'y a pas de souci. Alors c'est un chakra qui est de couleur bleue, donc, mais c'est plutôt un bleu qui va tirer vers le bleu ciel ou le bleu turquoise, hein. C'est un bleu plutôt dans l'éclair, c'est pas un bleu foncé. Il est lui relié à tout ce qui est en lien avec la communication. Donc la communication autant gestuelle, corporelle, verbale, visuelle aussi. Donc vraiment tout ce qui est communication et l'expression. Et il est aussi en rapport avec la volonté. Alors quand on parle de la volonté, c'est pas forcément la volonté de faire absolument quelque chose, mais ça va être sur la volonté aussi de résister, ça va être sur notre volonté à notre force, notre la volonté à vraiment vouloir faire quelque chose au niveau de l'action, de la matière. Donc c'est vraiment sur ces axes-là principalement que le chakra de la gorge est relié. Au niveau des pierres, donc ça va être des pierres bleues, mais là ça peut être autant du topaz. Alors le topaz, il y en a des clairs comme des plus foncés, le saphir également, vous avez aussi la turquoise et vous avez la célestite. D'ailleurs, on va utiliser une célestite aujourd'hui pour faire ce soin. Voilà, là ici vous avez une belle célestite en forme d'œuf, ici. Après vous en avez plusieurs tailles, hein. C'est pas la taille qui compte, c'est vraiment la pierre en elle-même. Elle peut être petite ou grande, ça n'a aucune importance. Elle peut être taillée ou polie aussi, ça n'a aucune importance. La flamme sacrée qui est associée donc au cinquième chakra de la gorge, ça va être la flamme de la volonté divine. Donc la flamme de la volonté divine, elle est aussi de couleur bleue d'ailleurs, elle est plus foncée. Et c'est Maître El Moria et l'archange Michael en fait qui nous accompagneront, car ce sont les gardiens et les diffuseurs du rayon de la flamme de la volonté divine sur Terre. Et c'est le premier rayon des flammes sacrées. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout ce qui me venait au niveau de ce cinquième chakra. Donc je vous invite, comme sur les précédents soins, à vous installer confortablement, assis ou allongé, tant que vous vous sentez à l'aise. Pour ceux qui veulent participer encore aujourd'hui aux soins pour avoir encore plus d'énergie et plus de ressenti, je vous invite à poser vos deux mains au niveau du chakra de la gorge. Et pour ceux qui veulent uniquement recevoir, vous vous installez et vous laissez le soin se faire. Donc n'oubliez pas avant tout aussi de porter l'intention, de poser l'intention en fait de vouloir recevoir ce soin de ma part, des guides et de vous-même si vous voulez faire le soin en parallèle. Donc je vous laisse vous installer et pendant le soin, donc je ne dirai rien, ce sera juste l'énergie qui passera de moi par vous au niveau de mon canal. Donc voilà, vous n'avez rien à faire de particulier à part vous détendre et recevoir le soin. Donc c'est parti, on lance le soin.
la belle âme. Le soin pour le chakra de la gorge est terminé. Donc je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai pas mal baillé là au niveau du soin, et quand on baille comme ça pendant ou même après les soins, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont éliminées. Alors je sais et je ressens fortement que c'est vraiment un chakra pour beaucoup de personnes qui a été très mal mené, que ce soit on va dire dans l'enfance, parce que souvent c'était fallait se taire, fallait rien dire, ou aussi beaucoup avec ce qui s'est passé ces deux dernières années, où le chakra de la gorge, c'est vraiment, comme je vous disais, avec la communication, l'expression, un chakra qui a été vraiment beaucoup bloqué, avec beaucoup de cristallisation, donc beaucoup de nettoyage et de purification à faire dessus. Donc c'est même un chakra où celui-ci, je pense, nécessité de le faire peut-être un peu plus d'une fois même, pour certaines personnes. Donc de toute façon, à vous de voir comment vous le sentez pour le faire une fois, deux fois, dix fois. Comme vous le savez, c'est comme vous le sentez. Donc ce chakra est maintenant bien débloqué, même moi, vous voyez, je sens que ça chauffe encore un petit peu, même pendant le soin, j'ai vraiment senti aussi pas mal de resserrement au niveau justement de la gorge, des picotements, de la chaleur. Donc si vous ressentez tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si vous avez aussi des renvois ou des baillons comme j'ai eu, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, même si ça continue un petit peu après. Quand on fait un soin, vous avez vraiment le soin qui dégage sur le moment, mais après il faut le temps que tout ce qui était décristallisé, tout ce qui était nettoyé s'en aille, donc ça peut prendre un petit moment avant que tout soit complètement nettoyé, c'est pas forcément instantané, boum, comme ça. Donc je vous remercie tous d'avoir regardé et suivi le soin, donc j'espère que ça vous a fait du bien, et je vous dis donc à plus tard pour le prochain chakra. Bye bye.